Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je gloire, 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 s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91, psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui écrit. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix, c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui écrit. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché à la chair. Chose impossible pour tout Alléluia. Par un danger, tiré ça du péché. Il a fait. Alléluia. Tu l'as fait, notre Père Céleste, notre Roi. Tu as été le seul à fouler au pressoir la colère de Dieu du ciel. Seigneur notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants, mon Roi. Tu le mérites, mon bien-aimé Seigneur, d'être notre Rédempteur, mon Roi. Oh, bien-aimé, merci encore, parce que tu as été jusqu'à la fin, Seigneur de Dieu. Tu as été jusqu'à la mort, mon bien-aimé Père Tibissant, pour payer le prix, Seigneur. Et dans tout le moindre détail, mon Roi, aujourd'hui, mon frère est libre, Père Saint-Dieu. Aujourd'hui, ma sœur est libre, mon bien-aimé Père Tibissant. Aujourd'hui, nous sommes libres, Père Saint-Dieu. Libérés de tous nos péchés, mon bien-aimé Père Tibissant. Libérés de l'emprise de Satan, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te disons merci. Merci encore pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu n'étais pas obligé, mon bien-aimé Seigneur, recevoir. Mais à cause de ton amour à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, ta grande miséricorde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, pour cet amour que tu nous as vraiment aimé, Seigneur. Louange et honneur à toi encore. Merci encore, Père. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Nous avançons avec certitude, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Avec assurance, mon bien-aimé Père Tibissant. Reconnaissant, Seigneur Jésus, que nous avons été rachetés à un grand prix, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Par un sang précieux, mon bien-aimé Père Tibissant. Le sang que tu as versé toi-même. Sois donc béni, mon Roi. Tu es digne, Père Tibissant, Dieu. Et tous ceux que tu as rachetés t'appartiennent et t'appartiendront, bien-aimé Père Tibissant. Aucun d'eux ne manquera, mon bien-aimé Père Saint. C'est pourquoi nous te louons encore ce soir. Oh Dieu, comme la Bible en témoigne, Père Saint, Dieu, que tes œuvres te loueront, mon très bien-aimé Seigneur. Nous sommes à toi et nous te louons, nous te remercions encore. Merci pour le chant et les cantiques. Merci, Père Saint-Dieu, pour la joie du cœur et l'adoration, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. La consécration encore davantage, mon Roi. La reconnaissance, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, pour tout ce que tu es toujours pour nous, Père Tibissant, Dieu. Tu as toujours été, tu le seras, bien-aimé Père Tibissant. Et pour l'éternité, tu es toujours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, un soutien, un secours. Et c'est vers toi que nous venons encore ce soir, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu nous entoures par derrière et par devant, mon bien-aimé Père Tibissant, que 10 000 tombent
jambes à nos côtés, à la droite, nous bénirons pas tuissant. Nous ne serons pas atteints parce que tu es réellement notre Dieu. Lorsque nous crions à toi, tu entendras, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pour nous, tu entendras, mon bénémoine Père Tibissant. Tu n'es pas insensible, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui agit encore, mon roi. Louange et honneur à toi. Tu as accompli une œuvre tellement grandiose, mon roi. Nous sommes vraiment en sécurité, Seigneur. Et nous sommes rassurés, mon bénémoine Père Tibissant. Que peuvent nous faire les hommes? Que peut nous faire la mort, bénémoine Père Tibissant? Que peut nous faire la maladie, mon bénémoine Père Saint-Dieu? Tu as tout vaincu, mon Seigneur. Nous te remercions et nous sommes fortifiés par la foi, mon bénémoine Père Tibissant, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous parle, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions réellement pour ta fidélité à tes promesses, ta fidélité à ta parole à toi, et nous sommes heureux et reconnaissants, Père. Sois béni encore ce soir pour les chants et les cantiques, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui ont été chantés, mon bénémoine Père Tibissant. Louange et honneur à toi, notre précieux frère. Souviens-toi de nous encore ce soir. Merci pour tout, Père, et nos cœurs soient disposés. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci aussi pour ta paix, Seigneur, pour ton soutien, ton secours encore. Seigneur, nous persévérons encore davantage, mon roi, parce que nous voulons vraiment vivre pour toi et te servir, demande encore un quelque soit agréable, mon bénémoine, Père Tibissant, avec un cœur droit et pur, Seigneur. Sois béni, souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Seigneur, ce n'est pas facile pour eux. Seigneur, dans le pays où ils sont, mon bénémoine, Père Tibissant, l'île de la Réunion, partout, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, Seigneur, garde ton peuple et tes enfants. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chose impossible. Amen, amen. Mais il l'a fait. Amen, amen. Il est allé jusqu'au calvaire. Oui. Et là, effectivement aussi, il a tout vaincu. Amen, amen. Nous le remercions pour cette victoire. Amen, amen. Qui est la nôtre. Oui. Et que nous possédons vraiment. Amen. Avec assurance. Amen. Ce n'est pas ce que nos yeux voient. Non. Nous nous souvenons de ce qu'Élisée était à d'autant. Oh. Ce n'est pas ce que les yeux pouvaient voir, mais un Dieu naturel. Mais c'est ce que Dieu lui-même est en train de faire dans notre vie, dans notre Amen. Marche, dans ce domaine spirituel, dans l'invisible, parce que notre Dieu agit encore. Il est celui qui nous garde, qui Amen. Nous soutient et qui nous fortifie. Nous savons et nous le remercions parce qu'il a dit « Invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. » C'est pour ça que chaque jour nous les glorifions, parce que chaque jour aussi il combat pour nous aussi et il nous accorde effectivement aussi la délivrance. Il a dit « Vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. » Ça, c'est ce que Dieu nous a donné et nous possédons cela. Nous ne voulons pas douter, nous ne pouvons même pas douter parce qu'il n'y a pas de raison pour douter. Nous avons l'assurance que s'il a dit, nous le possédons aussi. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi vivre cela et reconnaître réellement que notre Dieu est celui qui nous conduit et qui agit aussi dans notre vie. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse aussi nos frères et sœurs qui sont en connexion encore ce soir dans tous les pays où ils sont. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie. Nous nous réjouissons de ce que nous avons toujours de moments où nous pouvons nous retrouver ensemble après avoir chanté et prié. Nous prions que le Seigneur nous donne ne fût-ce qu'une petite parole qui nous aidera, que le lendemain, quand nous allons continuer à marcher, que nous soyons réellement aussi réconfortés aussi Amen, dans notre marche. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si le corps est faible, je sais qu'il me restaura. Amen. Il le fait et il le fera encore davantage. Il est notre Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, nous lisons effectivement à partir du verset 1, puis nous continuerons. La parole de l'Éternel, donc Ézéchiel, chapitre 33. Et nous lisons donc à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple,
Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera donc sur sa tête. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir, la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence, au Père. Nous savons que tu es présent. Et nous te remercions parce que même si nous sommes dans des conditions difficiles, Seigneur Jésus, nous savons que tu es toujours présent. Et tu tiens toujours à tes promesses, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Ton peuple est ce soir rassemblé ici, et d'autres qui sont aussi en connexion, attendant, et comme moi aussi, Père, de pouvoir recevoir quelque chose de ta part, qui nous aidera que quand nous sortirons d'ici, Père Saint-Dieu, nous puissions dire, Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons encore continuer la marche avec toi. Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés. Pardonne, soutiens et aide-nous. Que ton peuple puisse se sentir aussi bien à l'aise, Père Saint-Dieu, parce que nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Nous savons que nous traversons, perturbissant les épreuves avec toi. Nous te remercions pour ton soutien, ton secours. Tu es toujours, le Jésus est toujours présent. Merci, car nous t'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà donc le Seigneur qui nous montre effectivement aussi un tableau où il illustre effectivement aussi une condition qu'effectivement que l'homme arrive à pouvoir effectivement agir de manière à ce qu'il puisse arriver à pouvoir poser des actes, comme il dit ici, et prendre dans son sein un homme, effectivement, comme il dit, de prendre dans son sein un homme et l'établir comme sentinelle, c'est le verset 2 que je lis. Si cet homme voit venir donc l'épée sur le pays et qu'il sonne de la trompette et avertit donc le peuple, et si c'est lui qui entend donc le son de la trompette, ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera donc sur sa tête, parce que tu as sonné donc de la trompette et que la personne effectivement n'a pas voulu, bien que la trompette a retenti aussi fortement, mais la trompette a retenti, mais la personne effectivement ne s'est pas laissée avertir. Verset 5 il dit, le Seigneur qui dit, donc son sang sera donc sur sa tête, il dit, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Donc son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir, il sauvera donc son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand moi j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai donc son sang. Vous voyez la responsabilité d'une sentinelle. C'est une personne qui a la responsabilité de pouvoir être au-dessus. Parce que la sentinelle ne doit pas être en dessous. Parce qu'on se réfère effectivement avec comment ça se passait effectivement en Israël. Alors on construisait en fait la tour d'abord. Donc on entourait effectivement là où le peuple pourrait être à l'intérieur, donc on faisait la clôture. Et puis, mais surtout, on met quand même une tour assez élevée, haute. Je pense que vous avez peut-être vu ça dans l'ancien temps, effectivement, aussi. Même quand, lorsque les Romains faisaient, effectivement, les sièges, effectivement, il y a toujours, on monte, il y a la tour, la sentinelle, parce qu'il faut qu'ils puissent être au-dessus, de manière à ce qu'ils voient de loin.
Quand il voit effectivement des mouvements là-bas, il doit pouvoir distinguer, pouvoir voir effectivement et si ce sont des chez nous, ou bien si ce sont des amis, ou bien de, effectivement des ennemis qui viennent effectivement. Donc il doit réellement aussi voir. Donc il faut qu'il soit au-dessus pour pouvoir voir. S'il est en dessous, il ne verra pas. Il faut qu'il soit au-dessus pour pouvoir voir effectivement. Donc c'est lui-là, ceux qui viennent, donc, eh bien, ce sont donc les ennemis qui viennent avec l'épée pour pouvoir combattre effectivement, donc pouvoir détruire. Donc à ce moment-là, s'il voit et qu'il sonne donc de la trompette, c'est-à-dire que la trompette doit sonner de manière à ce que le peuple comprenne. Que ça veut dire qu'effectivement, qu'on doit arriver à pouvoir maintenant prendre des dispositions parce que l'ennemi est, donc, est à la porte, effectivement, il vient. Mais si maintenant la trompette a été sonnée, donc il a sonné donc la trompette, et que c'est lui, parce qu'il dit bien que c'est lui qui a entendu donc, il entend le son de la trompette. Ça veut dire quand même avec moi, non? Il a entendu, ce n'est pas qu'il n'a pas entendu, il a entendu. Les sons de la trompette, mais il ne veut pas se laisser avertir. Il dit, celui-là mourra dans son iniquité. Et sur son sang retombera effectivement sur sa tête. Alors, là, il montre aussi en disant, mais quand moi j'ai dit au méchant, tu mourras, si toi, tu n'avertis pas le méchant, le méchant mourra donc dans son iniquité. Mais je te redemanderai son sang. Voyez-vous la responsabilité qu'il y a, effectivement, pour une personne. Et ça, le Seigneur nous a transportés maintenant dans les domaines spirituels. Il parle maintenant à Ézéchiel, donc c'est un homme donc, mais, auquel Dieu a donné un appel, c'était un prophète. Il dit, je t'ai établi comme sentinelle. Moi, je t'ai établi comme sentinelle. Donc, si tu es là maintenant, il dit bien, il répète bien en lui disant très bien. Il dit, écoutez bien, hein, il dit, verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma. Donc, effectivement, s'il est établi donc par le Seigneur comme étant sentinelle, il ne doit pas écouter sa propre parole, ni son raisonnement, ni la parole de l'un ou de l'autre, effectivement, de cette manière. Il est obligé d'écouter, parce qu'il dit, il n'y a pas dit, tu pourras dire, mais tu dois. Donc, c'est une obligation que Dieu lui donne. C'est moi qui t'ai établi là. Alors, je t'ai établi comme ça. Donc, toi, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Et tu les avertiras. Donc, c'est-à-dire que... Vous voyez, l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée, chapitre 4, en disant, Timothée dit, prêche donc la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non favorable. C'est-à-dire que la parole de Dieu, vous n'avez pas à la prêcher avec vos sentiments, vos émotions, ou avec l'incompréhension, parce que bon, tu as dit, bon, il faut que je parle comme ça pour que les autres ne pensent pas comme ceci. Quand on rentre là-dedans, ce n'est plus la parole de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu, on donne comme Dieu le veut. Parce que la Bible dit quelque part dans 2 Pierre, je pense, dans 2 Pierre, je pense, 2 Pierre chapitre 1, je pense. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Vous me suivez, non? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé. Poussé donc par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas que les hommes ont eu des émotions. Oui, ils ont eu à pouvoir écouter. Non. C'est-à-dire qu'il vient et c'est le Saint-Esprit qui pousse la personne, donc qui prend le contenu. Mais voilà ce que tu dois dire. Que ça plaise ou pas. Parce qu'on peut dire, ah, si j'ai dit ça, les gens vont... Alors, quand on commence à raisonner comme cela, c'est pour ça qu'il dit, comme moi ici, j'ai dit aux méchants que tu mourras si toi, tu ne l'avertis pas. Parce que tu peux avoir des sentiments. Si je lui dis que, bon, par exemple, voyez-vous, il y a des ceux-là, par exemple, bon, j'ai entendu ça à un moment. La Bible dit, par exemple, bon, qu'une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme. Je te donne un exemple pour que vous compreniez. Mais toi, tu viens effectivement pour pouvoir. La Bible te l'a dit, donc Seigneur, si tu as l'opportunité de pouvoir le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu vois, tu regardes la congrégation dans laquelle tu es, toutes les femmes sont en pantalon.
Alors tu te dis, mais si moi je dis maintenant comme ça que les femmes ne doivent pas porter des pantalons, comment ça va être? L'assemblée va se vider. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai donné un peu cet exemple-là, en gros, hein, pour que vous puissiez, parce que vous ne faisiez pas, afin que vous puissiez comprendre. Mais maintenant, si on passe, on laisse les pantalons de côté. Que vous, dans votre marche, effectivement, dans votre façon de pouvoir vous tenir, que ce soit les hommes ou les femmes, ou ceci, la manière de voir parler, ceci, tout ça, donc quand vous êtes en accoutrement et tout ça, quand le Saint-Esprit vient, souvent vous avez toujours remarqué, hein, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais quand on rentre dans ces domaines-là, l'atmosphère change. Je vous l'ai toujours dit, parce que vous ne rendez pas compte, mais vous avez des démons. J'ai toujours dit, ne faites pas alliance avec des démons. Dieu vous a donné le pouvoir de chasser les démons. Quand on se tient à la parole de Dieu, frère et sœur, et on prêche la vérité, beaucoup de gens ne vont pas résister. Pourquoi vous voyez effectivement des églises remplies? Mais c'est parce qu'il y a des compromis. L'homme, l'être humain ne peut pas supporter la vérité. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il dit, mais prêche la parole. Vous savez, je vais être court. Cet homme ici, donc cette écriture qui est écrite ici, on a l'impression qu'effectivement, que c'est logé dans l'Ancien Testament, et puis bon, c'est passé par là, effectivement. Parce que, regardez très bien, je lis là, je vais vous montrer quelque chose, regardez très bien. Il dit, quand j'ai dit aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix, c'est ce que les hommes ne prêtent pas attention. Parce que on veut apporter des prédications pour que les gens vous apprécient. Pour que les gens vous trouvent un peu, vous savez, il est soft, il est bon, il peut pas, vous savez, lui, il n'est pas comme ça, lui. Quand il pense, oh, Dieu est bon, Dieu agit toujours, ça n'a pas de problème, ça, on va de l'avant. Non. En fait, c'est ça, effectivement, aussi que les hommes aiment, en fait. Mais quand Dieu condamne le péché, quand Dieu condamne des habitudes, quand Dieu condamne certaines manières de ne pas vivre, mais il faut les dire. Parce que, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Qu'est-ce que c'est? La sanctification, ce n'est pas le sourire. Donc, quand on dit saint, ça veut dire qu'on a été nettoyé. Donc, Dieu, la parole de Dieu, elle nettoie. La parole de Dieu n'apporte pas la souillure. Quand les gens vont toujours dans la marche de la souillure, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter, ou c'est parce qu'on ne leur a pas donné la vérité. Aujourd'hui, dans différents endroits, différentes églises, frères et sœurs, s'ils prêchaient vraiment la vérité, ils verraient que les églises vont se vider. Bien sûr. Vous le voyez quand même. Parce que quand on se tient vraiment à la parole, pas beaucoup. L'homme cherche beaucoup de facilité, effectivement, que ça soit accommodant. Mais Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a, comme on l'a chanté tout à l'heure, effectivement aussi, il n'est pas un Dieu accommodant. Parce que s'il était accommodant, et comme vous pouvez l'imaginer, faire les choses, effectivement, bon, on peut dire, il n'aurait pas quand même venu accepter d'être dans cette inhumanité dans laquelle il était humilié, insulté. Quand même, mon frère et ma sœur, Dieu a démontré qui sa parole, et qu'il était exigeant dans sa parole, et que sa parole, il est venu lui-même la mettre en pratique. Pour te démontrer qu'effectivement, que quand il dit, il est capable de le mettre aussi en pratique. Alors toi, il va venir pour toi pour voir comment ça pouvoir te caresser. Si lui-même, il a accepté que la Bible, il se dit, dis-moi. Vous savez, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous le saviez, non? C'est écrit. Mais il est venu dans un corps humain pour subir la mort. Il pouvait dire aussi, mais c'est moi qui suis Dieu. Je vais changer des lois. Non, monsieur. Il n'a pas changé.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, quand il est venu sur la terre, il dit, mais je suis pas venu pour pouvoir changer, ou bien pour pouvoir abolir la loi. Non! Il dit, je suis venu pour accomplir la loi. Et toi, tu attends que Dieu soit soft avec toi. Hein, qu'il puisse jouer au ballon avec toi. Dans tout ce que tu vas faire, effectivement, que Dieu soit ton copain, copain dans tout ce que... Frère et sœur, quelque part, il y a un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, que nous sommes arrivés à un point, parce que Dieu veut un peuple. C'est ça que nous devons comprendre, que ce n'est pas facile de pouvoir tenir, frère, c'est vrai, dans l'assemblée du Dieu vivant. Vous n'aurez pas facile. Ça va toujours secouer, parce que Dieu est saint. Et sa sainteté doit se manifester dans tous ceux qui sont à lui. Amen. Alors quand la souillure vient, il vient nettoyer. Amen. Il a prié, il dit, mais sanctifie-le par ta vérité. Amen. Sanctifie, hein, par ta vérité, ta parole est. La vérité. Alors, c'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir dire, je suis venu pour rendre témoignage à. Oui, oui, c'est écrit comme ça dans Jean. C'est pour ça que Pilate a posé, mais qu'est-ce que c'est donc que la vérité? La Bible nous fait savoir que nous avons tout pleinement en lui. Et puis, notre précieux frère nous a dit tout à l'heure les psaumes que tous, dans chacun de nous, nous aimons. Est-ce que quand vous lisez ces psaumes, vous croyez que c'est la vérité vraiment? Je ne sais pas, est-ce que vous croyez vraiment? Parce que les psaumes nous disent quelque chose ici, hein, je crois que nous allons... Oui, parce que souvent, on a alléluia, alléluia, mais en fait, on n'est pas dedans. Écoutez bien, parce que c'est ça, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. On nous dit ça. Repose, donc il n'est pas troublé. Que Dieu te bénisse. Il se repose à l'ombre de qui? Du Tout-Puissant. Donc les Tout-Puissants. Frères, sœurs, moi je suis à cette ombre-là, mais je vais craindre la tempête à gauche, à droite. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est pour ça que je dis, mais quand on lit, est-ce que vous croyez? Le problème, c'est bien de pouvoir lire, comprendre, je dis, mais c'est bon de croire, je dis, mais c'est la vérité, je m'y accroche. Et puis, il dit, mais j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, si vraiment tu le croyais, mon frère. Oui, si tu le croyais, regarde dans quel état tu serais. Rien ne pouvait t'affaiblir. Pèse un peu la situation. Je l'ai toujours dit. Les gens disent, il est comme ça. Non, mon frère, c'est la parole de Dieu. Rien ne peut t'affaiblir. Peu importe la situation. Il est ton refuge à ta fortune. Bon, mon frère et ma soeur. Si tu le crois vraiment, car il est ton refuge. Mais même si la tempête s'est levée. Voilà, écoutez, il dit, mon Dieu, en qui moi je me confie. Donc il n'y a personne d'autre en qui je peux trouver l'allégresse dans mon âme à moi. Donc dans toutes les difficultés que je peux trouver, j'ai quand même un Dieu. Le mien. Vous voyez pourquoi nous sommes instables? Nous lisons, c'est comme une formule. Alléluia. Mais en fait, on n'a pas réalisé que cette parole est pour moi. Que si moi je prends ça, même si ça tanque à gauche, à droite, je la tiens, je dis, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Si tu m'abandonnes aujourd'hui, qui sera mon appui? Où irai-je, mon Seigneur? Il n'y a pas un autre endroit. Je ne peux pas m'appuyer sur l'homme. Quand je m'appuie sur l'homme, il faillira un jour. Je me suis appuyé sur moi-même. J'ai failli, mon sauveur. Mais j'ai besoin de toi. Oui, mon frère et ma soeur. La Bible dit, effectivement, c'est ici que Dieu lui-même... C'est quoi, c'est dans Marc quelque part, effectivement, il me dit, mais il ne fera pas telle justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas sans Dieu.
Maintenant, regardez, écoutez bien, frère, c'est dit. Il dit, mais, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est quoi? Un bouclier. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Mon frère et ma soeur, si toi et moi n'abandonnons pas Dieu, il reste fidèle. Mais le problème, c'est ça. Comment veux-tu que Dieu reste avec toi si déjà tu ne crois pas à la parole que tu t'es dit? Il y a une relation quand même. C'est d'avoir confiance et à être sûr et certain. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, je ne sais pas, mon frère, moi, mais je ne sais pas. Mais si aujourd'hui tu n'as pas ces dieux sur cette terre, tu fais quoi? Tu ne sais même pas penser qu'un jour je vais quand même mourir. Je n'en sais rien. Ça ne doit pas être un abstrait. Tu dois quand même partir de la terre. Mais si tu n'as pas ces dieux comme étant ton Dieu à toi, là, Abraham peut dire que c'est le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu a fait quand même, vous connaissez cela, effectivement. Donc on dit, Dieu d'Abraham. Mais on ne va pas s'arrêter seulement à Abraham. Alléluia. S'il a été le Dieu d'Abraham, il doit aussi être mon Dieu à moi. Alléluia. Oui. Et j'enlèverai les noms d'Abraham, je mettrai mon nom. Amen. Parce que moi, je ne suis pas Abraham. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. Moi, je ne suis pas Abraham. On dit les dieux d'Abraham. Et moi, je ne suis pas Abraham. Mais maintenant, je suis aussi, ils sont aussi mon Dieu. Donc, j'ajoute mon nom. Alléluia! Gloire à Jésus! Oui, monsieur. Oui, madame. C'est 100% la vérité. Vous dites, frère. Oui. N'est-ce pas, vous dites que le Dieu d'Élie? Mais Abraham était avant Élie. Ah, vous pensez, ah, c'est comme ça que je... Non, c'est la vérité. Il faut qu'il soit aussi ton Dieu. Et s'il ne l'est pas, on a bien dit, Dieu d'Israël. Israël, c'était donc Jacob. D'Abraham, d'Isaac. Nous avons parlé de Abraham, mais non, il était Dieu d'Abraham. Oui, gloire à Dieu. Mais maintenant aussi, il est devenu mon Dieu parce que Jacob a eu à pouvoir vivre la même expérience que... Et bien sûr, parce qu'il dit, vous connaissez, non? Il a lutté, et puis il dit, l'ange du Seigneur de l'Éternel qui a toujours été avec moi. Amen. Donc il dit, le Dieu de Jacob, il est descendant d'Abraham, mais ils sont Dieu, donc Dieu d'Abraham, mais aussi devenu le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc aujourd'hui aussi, mon frère et ma soeur, il doit être ton Dieu à toi. À toi, à toi, à toi. Ça vous rapporterait quoi, les doutes? Ça vous rapporte quoi, les incertitudes? Toujours tourner en rond. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés au Canaan. Ils pensaient que Dieu était... Et pourtant, Dieu a dit, je suis venu, j'ai entendu les cris, pour vous faire sortir du pays de l'esclavage, là. Pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Crois, mon frère. Et quand ils sont sortis, ils pensent que vraiment que Dieu était un menteur. S'il était un menteur, il réfléchit un peu, incapable. Penses-tu qu'il allait descendre pour voir, il pouvait besoin, d'autres personnes ne va se souvenir. Après 400 ans, beaucoup d'ont oublié. Donc Dieu s'occupe d'autre chose. Non! 400 ans tapant. Amen. Le peuple avait oublié. Il descend. Amen, amen. Qui leur dirait, je m'envoie vers vous. Mais les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le je suis. Amen.
toujours présent. Alléluia. Oui, monsieur. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance et ma promesse à Abraham. Personne ne lui a dit, Seigneur, rappelle-toi. Non. Personne ne lui a dit, mais rappelle-toi. Non, 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 monsieur. Lui-même. Donc, s'il était incapable, il ne se présentait même pas devant eux. Donc, quand il vient, il est capable. Il dit, je veux vous prouver d'ailleurs que j'avais dit dans ma parole à Abraham ceci. Ils sortiront avec des richesses et des grands présents. N'est-ce pas vrai? Il avait dit avant même que la possession était toujours dans les reins d'Abraham. Souvenez-vous. Sa fidélité est un bouclier. Amen. Oui, monsieur. Waouh. Oui, madame. Nous devons toujours nous souvenir de savoir que nous ne sommes pas des petits pantries qui viennent là. Non, 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 non. Nous servons un Dieu vivant. Et c'est Dieu, ton Dieu à toi, il est vivant. Amen. Il faut que tu... C'est comme ça que tu as la victoire. Quand tu tiens l'épée, il dit, bon, l'ennemi dira, je n'ai même pas... Mais tu as l'épée maintenant. Amen. Il faut que l'ennemi voit que cet homme tient l'épée avec assurance. Et quand il te voit, il dit, oh, mais quand même, il te voit. On sent qu'effectivement que tu sais ce que tu tiens en main. Amen. Mais si tu vois, il tient l'épée. Il va dire, ah, il sait, mais il connaît même pas. C'est comme les gens là qui viennent avec des revolvers comme ça. Il dit, donne-moi l'argent. La personne qui est en face de lui, qui était un expert, il regarde. Donne-moi l'argent, sinon je vais tirer. Il dit, tu vas tirer qui c'est en train. Donne-moi l'argent, tu vas tirer. Il dit, tu vas tirer où? Eh bien, tire. Parce que pourquoi? Il a le revolver, il n'a pas enlevé la sécurité. Et le monsieur en face, il dit, mais c'est un gamin. Il me braque effectivement avec un revolver. Vous connaissez la sécurité, non? Il n'a pas enlevé, parce qu'il ne sait même pas qu'il y a la sécurité. Donc le monsieur qui a peut même donner des baffes, des chiffres. Il a là, il me tire, il ne sait pas tirer parce qu'il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu tiens l'épée, la Bible dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. C'est ça qui fera fuir l'adversaire, l'ennemi qui se pointe devant toi. Il doit trouver quelqu'un qui connaît sa position. Il doit. Pas quelqu'un qui est tremblant tout le temps comme ça, non. Il doit savoir effectivement que non, cette personne, rien qu'à le regarder. Je sais que même si j'avançais, non, à la manière dont ce regard me regarde, il sait qu'il a la victoire sur moi. Amen. Tu vas voir, il va détourner les chemins. La Bible dit, résister à Satan d'une foi ferme. Il va danser avec toi? Non. Il fera quoi? Pas il va marcher à côté. Non, il va fuir. Amen. Ta prestance le fait fuir. Amen. Parce qu'il voit ton assurance. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. C'est pour vous. Que Dieu vous bénisse, les venus. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être venu dans ta maison pour pouvoir te louer, te servir encore, te glorifier. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage que ta main puissante et glorieuse conduit encore, mon semaine Père Saint-Dieu. Nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, nous avons la foi, bénémoine Père Saint-Dieu, la certitude que toi, avec toi, nous ferons exploit et tu nous conduiras véritablement vers le port, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à destination. C'est pourquoi, peu nous importe ce que nous pouvons traverser, peu nous importe, Père Tibissant, la marée qui peut monter, elle baissera, mon bénémoine Père Tibissant. Peu nous importe les montagnes qui peuvent se dresser devant nous, Père Tibissant, elles seront aplaties, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous continuerons avec la persévérance et la foi et l'assurance, mon bénémoine Père Saint-Dieu, sachant qu'effectivement, Père Saint-Dieu, tu es celui aussi, Père Saint-Dieu, qui nous entraîne, Père Tibissant-Dieu, qui nous montre encore la voie, qui nous apprend, Père Tibissant-Dieu, comment servir les peuples, comment, Seigneur, partout où nous passons, Seigneur Jésus, il y a toujours une raison, Père Saint-Dieu. Aide-nous à avoir la persévérance et la foi de pouvoir continuer à valer. Nous ne voulons pas regarder comme les hommes, regarde avec les yeux des hommes, Père Saint-Dieu. Nous voulons regarder, Père Saint-Dieu, avec tes yeux à toi, Seigneur. Nous te remercions pour tes anges, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour ton peuple qui est ici encore ce soir, Père Saint-Dieu. Et ceux-là qui sont en connexion, enfin, qui prennent courage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui soient aussi fortifiés, Père Saint-Dieu, aussi dans la foi.
foi. La foi dans ta parole à toi, mon bénémoine Père Tissant. Oh, même quand nous dormons, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous avons besoin de toi parce que l'Éternel combattra. Il combat pour nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple, mon sauveur. Soutiens chacun d'eux, Père Saint-Dieu. Et accompagne chacun à la maison, mon bénémoine Père Tissant. Oh Dieu, que ta parole à toi puisse travailler encore nos cœurs. Et nous puissions revenir, comme tu l'as dit encore cette année, Père Tissant, Dieu. Que les genoux reprennent du service, mon bénémoine Père Tissant. Oh Dieu, nos cœurs et nos âmes touchés, tirés vers toi, bénémoine Père Tissant. Voulons pas trembler, Père Saint-Dieu, devant Père Tissant, l'ennemi qui vient, Père Tissant, avec des mots, avec des situations, bénémoine Père Tissant. Nous restons, Père Tissant, un peu tout bas, mon bénémoine Père Tissant, Dieu, et ferme de la voix, parce que nous savons que l'Éternel est avec nous. Si toi, tu es avec nous, mon sauveur, nous sommes, Père Tissant, de la paix, bénémoine Père. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, mon sauveur. Oh, tu es notre forteresse, mon bénémoine Père Tissant, Dieu, notre refuge. Bénis ton peuple, mon roi. Soutiens. Nous voulons revenir à avoir vraiment une confiance, Père Tissant, ferme en toi. Et vraiment nous accrocher à toi. Père, nous impôts, nous ne voulons pas ce que les hommes peuvent dire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Mais ce que toi, tu nous dis, ce que ta parole à toi nous fait savoir, tu nous ramènes, Père Saint-Dieu, à toi, mon sauveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, comme nous l'avons chanté, tu l'as fait, chose impossible, mais tu l'as fait, Seigneur, et nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Et cela dans tous les domaines, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et cela dans tout, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, Père Saint-Dieu, que ce soit même dans notre travail, dans tout le projet que nous pouvons avoir, nous avons toujours la victoire. Juste simplement revenir à toi et vivre ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu prendras le contrôle, mon sauveur. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, ceux-là qui sont. Que cela que tu nous as donné, bénémoine Père Tissant, nous prions pour chacun d'eux, afin que Seigneur, que tu les aides, s'ils n'ont pas un moment difficile, qu'ils puissent sortir des liens, afin qu'ils puissent être aussi dans ta maison à toi pour pouvoir te louer et te glorifier parce qu'ils sont à toi. Et nous te remercions, mon sauveur. Sois béni, sois glorifié, mon sauveur, car nous t'avons ainsi prié, Père. Oui. Merci, sauveur. Merci encore, mon sauveur. Oui. Que ton nom soit béni, élevé, glorifié, exalté encore. Merci. Merci, Seigneur. Louange à toi. Merci pour tout, Père. Gloire te soit rendue. Merci. Il n'y en a aucun. Personne ne peut le faire. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Louange à toi. Merci. Merci, Sauveur. Merci, mon Père. Chose impossible pour toute humaine, pas danger, esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi contre aux humains. Et par la foi, je suis sanctifié, justifié par le sang de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans l'Union très saint. Plus de rituel, ni de sang de vous, mon Père a pourvu à tout ce qui fait. Chose impossible, chose chose impossible,
pour toute une âme, par un danger d'esclaves du péché. Il a fait, il m'a libéré, il se l'a pour.